What's up l'internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aussi pour une nouvelle vidéo très 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 importante comme je vous ai dit. Non, en fait c'est pas important, mais on se retrouve sur OpsiFight. Comme je l'avais dit dans le dernier let's play, j'avais une petite surprise pour vous. La surprise est venue aujourd'hui. Sauf qu'avant, je voulais juste dire que j'utilise le pack Destiny par Skyter. I have a pack pour OpsiFight. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. J'ai trouvé sur le forum, le lien sur, du forum. Et vous allez sur le forum, vous checkez les packs, les amis. Vous allez sûrement le trouver. On va aller au spawn et je vais vous montrer le glitch que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah ouais, con, c'est quoi le glitch ?» Donc, je me suis dit « Ok, let's go. » On va vraiment leur montrer. Ils sont intéressés. Donc, on va prendre ça nous prend des lingots. On va transformer les lingots en poudre. Ça va nous faire 18 poudres. Ok. Regardez bien ça. On a 18 poudres. Attendez. Forge, c'est par là. On va aller à la forge. Gardez en tête qu'on a 18 poudres. Ok. Pardon. J'espère aussi avoir mon grade de YouTuber bientôt. YouTuber Plus, un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait un grade partenaire Plus. Donc, si je suis capable d'avoir ce grade-là, ce serait vraiment stylé. Donc, vous voyez, cette armure-là est vraiment abîmée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. C'est qu'on va prendre une poudre, deux poudres, trois poudres, quatre poudres. Et là, boum, on pourra réparer l'armure en prenant des poudres. Mais il faut savoir que un lingot donne 9 poudres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous comprenez un peu le glitch? C'est pas patch encore. Après que ma vidéo soit sortie, c'est, je pense que ça va être patch là, on va pas se le cacher. Je pense pas qu'ils vont laisser ça comme ça parce que ça deviendrait, c'est vraiment cheat quand même quand on y réfléchit. Donc je pense pas qu'ils vont laisser ça comme ça, mais bon, on verra bien quoi. Je me donne des niveaux. Je vais me donner tout le truc ici. Boum boum boum, badaboum. Et on va voir combien ça coûte pour réparer tout ça. On peut pas voir le nombre que ça coûte par exemple, c'est un peu embêtant, mais bon. On a réparé. Et normalement, ça nous aura coûté 4 titans. Là, ça nous en a coûté 4 poudres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vachement intéressant. Même chose ici. On va refaire la même chose. On va se mettre des niveaux. Et puis, on va réparer avec les poudres. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui savent. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne savaient pas. Moi, on m'a montré ce glitch-là. Et puis, je sais qu'il y a d'autres gens qui ne le savaient pas. Quand je l'ai... on parlait sur TeamSpeak, etc. Puis, il y en a qui ne savaient pas. Qu'est-ce que ça faisait comme... Ils savaient pas que ça existait, quoi. Donc, j'ai décidé de vous le montrer, les amis. Même si je sais que ça risque d'être patch ou quoi que ce soit. Ben, je veux dire, c'est, tout le monde mérite de le savoir avant que ça soit patch quand même. Parce que je pense que, bon, alors que cette vidéo va sortir, je pense pas que ça va être patch. Donc, vous avez sûrement quelques jours encore avant que ça soit patch, c'est sûr et certain. À 100%. Donc, je vais continuer de réparer les armures. Je vais manquer de poudre au bout d'un moment, c'est sûr et certain. Mais je continue de réparer les armures. Si c'est glitch, les amis, vous le connaissiez déjà. Vous avez d'autres glitches, etc. que vous voulez me faire part. Dites-le moi dans les commentaires. Ça serait vraiment stylé. Si vous saviez déjà le glitch, dites-le dans les commentaires aussi. Puis laissez vraiment un pouce bleu si ça vous a aidé. Ça me ferait vraiment plaisir de voir combien de gens que j'ai pu aider avec ce petit bug. Ça serait vraiment cool de votre part, les amis. Et puis en même temps, ben, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y ait des pouces bleus sur mes vidéos. Je vais pas vous le cacher, quand il y a des pouces rouges, ça me fait de la peine. Je me mets à pleurer. C'est vraiment pas cool, les gars. Donc voilà, faites pas les bâtards, quoi. Voilà. Non, c'est juste ça, vraiment, faites pas les PD à dislike mes vidéos parce que après ça, je pense au suicide. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, les gars, s'il vous plaît, les gars, soyez sympas, mec. Voilà, quoi. Bon, voilà. Il va nous manquer un casque en titan. Mais c'est parfait, les amis. Vous savez pourquoi? C'est génial en fait parce que regardez, voyez ça les amis, je vais vous montrer un truc vraiment extraordinaire que notre ami David nous avait filé. C'était, si je me trompe pas, attendez un instant, c'était des livres P4U3, je pense qu'on pourrait le mettre sur le casque qu'on avait fait dans la dernière vidéo, qui date un peu quand même. Hein. Et voilà! On prend ça au cas où qu'on avait besoin, mais je pense pas qu'on ait besoin, je pense que 21 niveaux c'est suffisant pour pouvoir effectuer ces trucs. Et puis, on va aussi aller à la Sky et puis vendre les blocs de fer et d'autres trucs qu'on pourrait peut-être vendre pour avoir un peu d'argent et faire des coin flips aujourd'hui. Donc, attends, non, on chante, ouais, c'est bien ce qu'on voulait. Et ça va nous donner, les amis, avec un full set en titan, ce qui est quand même vachement bien. Oh, j'ai raté mon job. Qui est quand même vachement bien quand on y pense parce que ben, ça va pouvoir être notre stuff pour PVP. Ensuite, on va devoir faire plein de fusions, etc. J'ai un home avec des spawners aussi. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite après. J'ai un home avec des spawners aussi qu'on pourra
facilement à utiliser. Je pense pas qu'il y aurait de problème à l'utiliser. Donc, attendez un instant. Ok, c'est good. J'ai pas besoin les bleus. Oh, on a du titan en masse. Ok, ça, on pourra refaire de la poudre pour réparer. Ça va nous coûter moins cher. Mais bon, voilà quoi. C'est juste. Voilà. C'est juste comme ça. Voilà quoi. Donc, je vais mettre ça à ma base et puis je vous reprends. Donc, j'ai dit que j'allais vous reprendre. Premièrement, on va juste déposer les trucs. On va aller à la, au spawner. Je vais vous montrer vite fait mes spawners. Et je vais aussi vous... ben, c'est pas vraiment les miens. C'est dans la faction. C'est une faction. C'est la faction à... on va juste bouger Chunk. Puis ça va le mettre en haut. Ça va l'update en haut, j'imagine. Oh, même pas. C'est peut-être pas Claim. Ouais, c'est Claim. C'est la Overcrew. Donc, la Over... Overcrew. Qui me laisse gentiment utiliser leur spawner. Ils en ont énormément. À ce que j'ai compris, ils ont eu beaucoup de spawners dans les caisses. Un d'eux avait 9000 points boutique et il a acheté 9000 points boutique seulement de clés. Donc, c'est sûr qu'on devient riche assez facilement avec les clés, surtout sur des serveurs de ce type. Oh, ok. C'est la limite de map à ce que je comprends. Un instant. Je sais pas s'il y a une façon qu'on puisse monter, mais il y avait une super de belle décoration en haut. Oh, c'est dommage, je pense pas qu'on puisse monter. Sinon! Allons voir à la Sky, qu'est-ce que ça donne, les amis, à la Skybase. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour vendre et etc. Donc, premièrement, les livres et tout ça, ça peut nous faire un peu d'argent. Ça peut être cool. Ensuite, toutes les minerais, tout ça, on peut tout vendre ça. Le corps, on va garder. On va prendre le P1. On va le fusionner avec les autres trucs. Ouh, ça, je sais pas. Je pense que tout ça, on peut vendre ça. Je sais vraiment pas. Mais on va prendre ça quand même. On va aller voir au spawn. Et là, ici, c'est quoi les livres qu'il y a? Ouh, il y a peut-être des bons livres qu'on pourrait utiliser. C'est le touch. Ouh, on pourrait se faire une pioche. On pourrait se faire pas mal de trucs. Ouh, un bon un punch. Ok. Ça, on va pas utiliser. Est-ce que ça, c'est pour faire une base? Si jamais on veut faire une base, des potions de hache, etc. Quand même intéressant. Donc, on va aller au spawn, au workshop. Et on va directement vendre tout ça. Surtout la gunpowder, voir combien ça peut nous apporter. Et puis ensuite, on va faire un coin flip avec la thune qu'on a. On est déjà à 7000$. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Donc, on peut pas vendre le fer, mais on peut vendre tout ça. Donc, ça, on en a 5, est-ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Ça, on en a 4. Pas 45, 4. On a 2. On peut pas vendre, on va garder de toute façon ça. On va garder le corps neutre, on va garder le corps antita. Ça, on en a 4. Boom, badaboom. L'obsidienne, on en a 2. Des lingots d'obsidienne. Je me demande si on fait cuire de l'obsidienne. Est-ce que ça me donne des lingots? Répondez dans les commentaires, ça serait intéressant de savoir. Voilà. Et l'émeraude, ça donne beaucoup. L'émeraude, par exemple. Voilà. Ok, nice, nice, nice. Ensuite, on va faire ça comme ça. Wapidoubidou. On a un petit problème ici, mes amis. On a un problème dans le marché. Donc, on va faire ça. Ça et ça. J'ai fait une merde, en fait, en faisant ça, les amis. Ah là 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 là. Ça me surprend pas de moi, les amis de l'Internet. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. On va faire ça comme ça. On va ensuite... oh my god, c'est tellement le bordel, je vous reprends les amis. C'est good, j'ai fait 18 enclumes et on va pouvoir les vendre ici pour 45$ chaque. C'est 18, j'ai dit. Oui, voilà. Ça nous fait 800$, ça c'est très très bon. Ensuite, on a 64 bibliothèques. Je sais pas à quoi ça peut vraiment nous servir, donc on va aussi bien les vendre. Ici, on a je sais pas combien, on va mettre 250. C'est assez, il va nous en rester 20. J'ai juste un peu mal calculé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? La Gunpowder, ça serait vraiment cool si on pouvait la vendre. Comme ça, on aurait 8000$. Ouh, je suis pas sûr qu'on puisse la vendre. Hein. Ça n'a pas l'air d'être possible, mes très chers amis de l'Internet. Ouf. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Non, c'est pas possible, malheureusement. Ben, en même temps, ça aurait été quand même assez OP, mais pas tant. Ça aurait été cool qu'on puisse la vendre. Ah, je suis un peu butthurt dans le sens que... Ah, ça fait chier un peu. Mais bon, attendez, peut-être... J'ai ici, genre... Ok, non, ouais, c'est ça, le bloc d'XP et tout, non. Ok, ben on va remettre ça à la Skybase d'abord, parce que ça ne servira à rien. Puis on se retrouve pour les conflits et tout après. Hop, donc j'ai pris un peu plus de trucs, donc j'ai trouvé une épée que je vais réparer juste après avec les niveaux que j'ai dans mon underchest. J'ai trouvé aussi un underchest dans la Skybase qu'on va utiliser, parce que, ben, on a toujours besoin d'un underchest à notre petite base qu'on s'est fait.
Donc, là, on en a 350, je crois. Ah, non, j'en ai beaucoup plus que 350. Donc, rip, je pensais pas qu'on en avait autant. Et 8, on en avait beaucoup. Hein. Et ça nous fait un total de 10 000 $. C'est parfait, c'est assez pour faire des coin flips. On va quand même vendre le reste des trucs qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir, pour être franc avec vous. Parce que, bon, j'ai pris ça pour... Parce que je voulais atteindre nos 10 000, mais bon, ça n'a pas trop marché. 250, je pense que c'est ce qu'on a. Oh, on en a un peu plus. 38, c'est vraiment dommage. Je devrais faire ici qu'on puisse voir combien qu'on en a. Ah là là là. Bon, vous êtes prêts, les amis? Ça va être l'heure de faire des coin flips. 7 000, 10 000. On va commencer par un petit 1500, voir comment ça se passe. Si on est capable de mettre une petite W. Ah ouais, let's go, let's go. Oh, tabarnak, je suis pas chanceux, esti. Ça a l'air... Oh my god. Ok, c'est pas grave. On va faire... Oh, on a pas assez de fond. On va faire... Le gars, il dit go CF. Le gros, t'as mis un CF à combien? 7 000? Oh shit, il est parti rapidement. On va attendre un peu, voir peut-être un CF. Puis je vous reprends dès que j'ai trouvé un bon CF adjoint. Ok, c'est... Oh, il y avait 7 000! Merde! Ok, je vais en créer un. C'est FC Create 5000. Oh shit, c'est quoi? Tails, on va le mettre sur Tails. Je pense pas que ça va. Ça va être super bon pour nous, mais bon. Qui sait? Let's go, please! Oh, s'il te plaît, on en a tellement de besoin, les amis. J'ai pas gagné un coin flip encore. Come on. Don't be a pussy. Ok, c'est bon. C'est bon, regarde. C'est tout le temps des numéros heads qui sont tirés. Moi, j'en ai marre. Je vais faire ça. Et puis là, je vais mettre sur Head. Puis regardez ça, ça va être sur Tails. Vous êtes prêts? Je vous le garantis 100 000 %. 100 000 %. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, bon, il n'y a personne qui veut le join notre affaire. Est-ce qu'il peut, j'ai compris. Oh, ok. Ok. Ok, qu'est-ce qui se produit, mes amis? Allez, joignez mon coin flip, les amis. C'est seulement 4 000 $. Ok, I guess. Oh, shit! 10 ans plus tard, il y a quelqu'un qui a join. Allez, come on. Tout ce temps-là pour perdre. Est-ce que vous... Ok, come on, please. Ok, c'est bon. Le jeu me déteste. Je vais me suicider. Je joue plus jamais à ce jeu vidéo. J'en peux plus. C'est bon, adieu. Ah!